Alors aujourd'hui les gars, je vais aborder le sujet des cheveux longs parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui avaient pour projet de se laisser pousser les cheveux et je sais mieux que personne à quel point ça peut devenir une vraie galère pendant la pousse. Tout simplement parce que j'ai déjà eu deux fois les cheveux longs dans ma vie. Voilà, je me suis même fait des dreads. Bref, dans cette vidéo, je vais aborder trois sujets en particulier. Comment faire pousser les cheveux plus vite, quelles sont les meilleures coupes avec les cheveux longs et enfin quelques petits conseils pour la traversée du désert lors de la phase de transition. Voilà, on est parti. Je vais sûrement en décevoir certains, mais il n'y a pas de remède miracle pour faire pousser les cheveux plus vite à part le temps. En réalité, la vitesse de pousse, c'est surtout une question de génétique et d'âge. Par contre, vous pouvez faire en sorte de diminuer la perte de cheveux, parce qu'en réalité, c'est surtout ça qui freine la pousse et qui donne l'impression que les cheveux poussent lentement. La perte de cheveux, c'est un phénomène totalement naturel chez tout le monde, et oui, vous perdez des cheveux naturellement tout au long de l'année. Et aujourd'hui, on retrouve deux principaux facteurs qui augmentent drastiquement cette vitesse de perte de cheveux, ce qu'on veut bien évidemment éviter lorsqu'on se laisse pousser les cheveux. Le premier facteur, c'est le stress chronique, pas le stress ponctuel comme par exemple pendant un examen ou pendant un entretien, mais bien le stress sur le long terme. Je vais pas m'étendre sur le sujet ici, mais je vais sûrement vous faire une vidéo dédiée à ce sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Et bien sûr, vous le voyez venir, le second facteur qui augmente drastiquement la perte de cheveux, c'est les carences alimentaires. La nutrition, c'est un sujet à la fois extrêmement complexe, mais aussi à la fois extrêmement simple. Retenez juste qu'il faut tout simplement manger équilibré des aliments naturels. Si vous ne mangez pas de viande, vous allez avoir une perte de cheveux plus rapide. Pareil, si vous ne mangez pas de légumes, vous allez aussi avoir des carences et donc une perte de cheveux accélérée. Si la base de votre alimentation, c'est des pâtes, des pizzas et des gâteaux, vous finirez par avoir des carences, une chute de cheveux accélérée et forcément l'impression que vos cheveux poussent beaucoup moins vite. La seule chose manuelle qui semble plus ou moins fonctionner d'après les études, c'est d'augmenter la circulation au niveau du cuir chevelu parce que ça stimule tout simplement le bulbe de vos cheveux et ça lui apporte plus d'oxygène, plus de nutriments, etc. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous masser le crâne plusieurs minutes par jour avec vos doigts ou avec une brosse en silicone sous la douche par exemple. Après franchement, faut avoir la déter et pour moi c'est pas non plus game changer. Mais bon, qui ne tente rien à rien, ça coûte rien d'essayer. De plus, j'imagine que comme d'habitude, les résultats dépendent des gens. Ça va malheureusement moins bien marcher sur certaines personnes que sur d'autres. Dans tous les cas, je vous mets le lien de la brosse en silicone en description. En ce qui concerne les meilleures coupes avec cheveux longs, ça va aller assez vite. Il y a la classique middle part, donc l'arrêt au milieu, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Ensuite, il y a sa variante avec l'arrêt sur le côté qui fonctionne aussi très bien, mais avec un style un tout petit peu plus classe, je trouve. Après, vous vous rendrez très vite compte que garder les cheveux détachés quand ils sont longs, c'est super relou au quotidien et vous finirez par les attacher les trois quarts du temps. Donc il y a le chignon classique à l'arrière ou sur le dessus de la tête, mais vous avez également deux variantes un petit peu plus originales. Premièrement, vous avez le mat bun qui est assez connu avec la nuque et les côtés rasés. Et deuxièmement, vous avez la variante où vous attachez seulement les cheveux au-dessus de la tête et vous laissez détacher et tomber ceux à l'arrière. Sachez que ça s'appelle le demi-chignon ou la demi-queue de cheval si jamais vous voulez aller chercher des inspirations sur internet. Et pour terminer avec les meilleures coupes avec cheveux longs, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous boucler les cheveux s'ils ne le sont pas naturellement. Ça peut facilement donner un peu plus de cachet à votre coiffure et aussi lui donner du volume si vous avez les cheveux très lisses et fins. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur comment boucler ses cheveux et j'ai également fait un vlog permanent chez coiffeur pour ceux que ça intéresse. Je vous glisse les liens dans le coin de l'écran et en description. Alors mon premier conseil pour cette phase de pousse ultra relou, et je pense que c'est le plus évident mais également le plus important, c'est tout simplement d'être patient. À chaque fois que j'ai un pote qui se laisse pousser les cheveux, il l'abandonne au bout d'une dizaine de mois parce que sa coupe ne ressemble plus à rien. Vous pouvez très bien porter des casquettes ou des bonnets pendant la pousse, et si vous ne pouvez pas parce que vous êtes en cours ou au travail, il y a aussi la solution du serre-tête. Ça coûte vraiment pas cher sur Amazon, je vous mets le lien dans la description. Si vous aussi vous avez des conseils pour survivre à cette traversée du désert, je vous invite à les partager entre vous dans les commentaires. Je vous laisse maintenant avec ma vidéo sur les meilleures coupes de cheveux mi-longues. Ça devrait sûrement vous intéresser pour votre projet cheveux longs, notamment pendant la phase de transition. Je vous dis à très vite. Ciao!